La formation maintenance industrielle ultrason niveau 1. Je m'appelle Daniel Mazière, je suis responsable du marché francophone pour la société UE Systems et nous proposons la formation maintenance industrielle ultrason niveau 1 selon la norme ISO 18436-8. Je vais vous présenter le programme détaillé de cette formation. Deux mots de la société UE Systems au préalable. U pour ultrason, E pour engineering, Systems pour système. Depuis 47 ans maintenant, nous fabriquons, nous développons et nous commercialisons des solutions de maintenance industrielle, de maintenance prévisionnelle plus exactement, basées sur la technologie des ultrasons. Les objectifs de cette formation sont les suivants. La première, il va s'agir d'améliorer votre programme de maintenance industrielle grâce à la technologie des ultrasons. Un des buts de ces améliorations sera d'améliorer la disponibilité des équipements. Il s'agira également de réduire les coûts de maintenance, de réduire les dépenses énergétiques et de façon plus globale, de mettre en place un programme de maintenance prévisionnelle, de maintenance prédictive en anglais, afin d'anticiper les défaillances de vos installations industrielles. Comme vous le voyez ici, cette formation, les formations du système sont toutes référencées Datadoc, selon le référentiel français. Un petit mot sur cette certification, donc ASNT pour les États-Unis, ISO pour l'Europe. Cette formation ultrason niveau 1 ou catégorie 1 est la seule en France et en Europe qui suit la norme ISO 18436-8 et qui permet donc l'obtention de la certification ultrason niveau 1 ou 4.1, comme dit la norme, selon cette ISO 18436-8. Le programme de cette formation, plus en détail, est le suivant. Nous commençons par voir quelles sont les méthodes pour mettre en place un programme de maintenance prévisionnelle, de maintenance prédictive, grâce à la technologie des ultrasons, grâce aux détecteurs à ultrasons. Une première partie, toujours dans la première partie, il s'agit de comprendre les principes des inspections, des suivis et des analyses ultrasonores, la théorie et la méthodologie de mise en place de ces inspections et diagnostics par ultrason. On rentre ensuite dans le vif du sujet par la première application qui est la recherche, la localisation et la quantification de fuites d'air ou de gaz sous pression, quel que soit le type de gaz, quel que soit le type d'installation. Donc ça s'applique à l'air comprimé, à tout type de gaz et également à la vapeur. On sait également détecter, localiser et quantifier tout ce qui est fuite interne sur des vannes, quel que soit le type de canalisation, quel que soit le type de flux, qu'il soit liquide, gazeux, hydraulique, vapeur également. Donc là, il va s'agir d'apprendre la méthodologie d'inspection de vannes. Donc, sur ce type de canalisation, de vannes fuyards notamment, on détecte des fuites internes sur des vannes. On détecte, on fait du diagnostic et on fait du suivi prédictif. Un autre sujet pour la partie réduction des dépenses énergétiques, pour les installations qui ont de la vapeur, c'est l'inspection, le suivi, le diagnostic de purgeurs de vapeur qui, quand ils sont présents dans l'industrie, malheureusement, sont d'énormes sources de pertes énergétiques. On s'attaque ensuite à un gros sujet de maintenance prévisionnelle qui est la partie inspection, suivi et diagnostic de machines tournantes. Alors, on entend par machine tournante tout ce qui tourne. Bien sûr, roulement, palier, moteur, réducteur, pompe, avec la cavitation également pour les pompes. Là également, le principe donc de la méthode se divise en trois parties. Une partie diagnostic in situ, une partie suivi dans le temps, suivi prévisionnel, et une partie interprétation et analyse. Et enfin, la quatrième application concerne l'inspection, le suivi et le diagnostic des installations électriques, de tout type d'installation électrique. Alors, particulièrement attention, parce que les mêmes défauts, les mêmes causes produisent des effets malheureusement plus graves à haute tension qu'à moyenne et basse tension, et qui peut le plus, peut le moins. On va donc pouvoir détecter et caractériser et identifier donc les types de défauts suivants, effet corona, décharge partielle, amorçage, desserrage, tout ce qui touche les installations électriques. De façon plus globale, ce programme de formation permet d'améliorer donc les performances des installations industrielles,
d'améliorer la fiabilité et donc d'augmenter également la disponibilité des équipements ainsi que leur rentabilité. Bien évidemment, il s'agit également, quand on a fait ces inspections, d'éditer tout ceci sous forme de rapport, de faire l'interprétation et l'analyse à l'aide des logiciels et du système qui sont fournis lors de la formation. Cette formation dure 4 jours et demi et comprend la certification, l'évaluation, le support de cours, la partie théorique et la partie pratique. Un dernier point qui concerne le financement, UE System est agréé organisme de formation en France, ce qui permet donc à tous nos clients de utiliser leur cotisation auprès de leur OPCA pour être remboursé, donc, puisque c'est une formation métier, pour être remboursé sur ce programme de formation. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me joindre. Comme vous l'avez vu en première page, mes coordonnées sont ici. Mon adresse email, danielm@uesystems.com ou au 06 85 28 51 84. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt sur un siège de formation Ultrason niveau 1.